Love of beauty is taste. Love of creation is art. What is art, one may ask? Well, today we are privileged to come and visit one of the best artists in Rwanda, Epa Binamungu, learn about him and a little bit more about his art center, Inganzo Art Center, right here in Masaka. Let's go find out more. Inganzo part d'abord son nom, ça veut dire inspiration, ça veut dire méditation, ça veut dire penser, réfléchir. J'ai pensé mettre Inganzo à Masaka parce que c'est un lieu calme pour réfléchir, pour méditer, pour vivre et réfléchir. Il faut un calme. Il faut avoir un endroit qui est serein. Il faut avoir un endroit qui vous donne le temps de réfléchir sur soi-même, qui vous donne le temps de réfléchir sur ce qu'on fait. C'est pourquoi j'ai choisi le nom d'abord, Inganzo, et puis aussi le lieu à Masaka. Hello and thank you, Mr. Binamungu, for having us here. Merci beaucoup aussi d'être venu. Tell us a bit more about who Epa Binamungu is and what is Inganzo Art Center. Bon, c'est pas toujours facile de s'introduire comme ça, mais bon, je vais essayer. Je m'appelle Epa Binamungu. Et je suis un artiste plasticien depuis bientôt 44 ans. Et je travaille ici à Masaka, et où j'ai créé Inganzo Art Center. Inganzo Art Center, c'est un endroit, un espace pour la création, pour moi et puis pour aussi des amis artistes qui viennent au centre. Et aussi, c'est un endroit de recueillement, de méditation, un endroit aussi où on discute sur les arts, un endroit aussi où on doit réfléchir, et aussi un endroit où on doit exposer nos œuvres d'art. C'est un projet qui prend beaucoup de points de vue, c'est-à-dire un point de vue c'est l'atelier de travail, et puis aussi l'endroit de la galerie, et puis aussi un jardin pour s'épanouir, aussi pour créer en plein air, et aussi un endroit aussi pour la méditation, pour la réflexion, et pour confirmer bien que c'est véritablement Inganzo. Warm welcoming at Inganzo Art Center. After a 15-minute drive from Kigali Town to Masaka, where the art center is located, received by Mr. Epa Binamungu himself, he immediately gave us a tour of the art center. Ici, c'est l'âme de l'artiste. C'est ici mon atelier. C'est ici que je travaille. Donc, je conçois tous mes projets ici. Et avant que je n'aille dans ma galerie pour exposer, c'est ici que je conçois, que je travaille, que je mette des points sur les i. Ici, vous me trouvez en train de préparer le projet de 365 jours, donc le voyage de 365 jours que je partage avec les autres artistes. Et donc, je suis en plein finissage pour ce projet. Donc, nous allons chacun travailler un format comme ça, qui est un format qui est représentatif pour chaque artiste. Voilà. Donc je vous reçois dans mon atelier Caribou. It's so colorful. Cet endroit c'est un endroit créé juste
l'exposition en plein air. En plein air, mais avec une vue de sous l'arbre. Comme ça, nos œuvres vont être logées ici, exposées ici pendant un mois. Donc, notre projet de 365 jours. J'ai eu un plaisir de construire une maison comme ça, une maison traditionnelle rwandaise, juste d'abord pour me faire plaisir, d'une part, d'autre part aussi pour ces soucis-là de maintenir la culture et puis d'aimer aussi la culture et puis d'en faire un lieu de réflexion, un lieu de méditation. Et on va entrer et puis je vous expliquerai davantage comment est-ce que j'ai pensé à construire cette maison. Il y a une chose qui m'a beaucoup émerveillé. Le monde rwandais, le Rwandais voit un monde tel que la terre est construite. Quand un Rwandais sort, il voit comme une voûte la terre. Il voit comme une voûte un monde avec lequel il partage avec les autres. Mais il se construit lui-même un autre petit monde à lui, dans lequel il verra la même chose, mais qui lui revient à lui seul. C'est pourquoi il a pensé dans l'architecture rwandaise de construire un monde comme ça. Alors j'ai pensé que si je me faisais une construction comme ça, je serais toujours celui-là qui garde ce patrimoine culturel comme un bien qui doit être jalousement bien protégé. J'ai pensé que si je m'inspire de la maison traditionnelle rwandaise, je peux aussi réfléchir et en construire une comme ça. D'abord, par le fait que je dois rencontrer les autres, on doit parler, on doit planifier certaines choses. C'est pour cela que j'ai pensé que assis, avec des sièges comme ça autour de nous et les gens aussi autour, on peut réfléchir et concevoir des idées et concevoir aussi des plans pour rendre notre métier d'artiste beaucoup plus solide et beaucoup plus de valeur. J'ai pensé qu'un endroit comme ça peut nous aider à réfléchir davantage, parce que d'abord c'est un endroit calme et puis aussi c'est une façon aussi de faire un recul et penser aussi à la culture et de faire un recul et réfléchir au sujet de notre culture et aussi penser comment est-ce qu'un artiste peut bien vivre, un artiste peut bien planifier, un artiste peut bien voir son avenir. Et voir aussi comment est-ce qu'il faut pallier à certains problèmes que les artistes rencontrent. C'est ici qu'on s'assoit et c'est ici qu'on trouve et on planifie beaucoup de choses. Et ce que vous voyez tout autour, c'est juste une inspiration de comment a été faite la maison royale, de comment a été construite la maison, culturellement la maison du roi dans le temps. Et puis pour moi, c'est aussi une façon de m'imaginer et de me ressourcer de comment moi quand j'étais encore très jeune, très petit, j'ai des idées vagues de comment était la maison chez mon grand-père. Je n'ai pas des idées, des fragments d'idées bien construits, bien faits, mais j'imagine comment était, et parce que j'ai à peu près des idées un peu vagues, et c'est pourquoi je me suis dit il faut revivre encore ce petit moment et puis remettre en surface cette période là. Voilà pourquoi j'ai voulu un peu faire construire cette maison. Une autre chose, c'est que Inganzo par le nom, c'est un lieu de recueillement, un lieu d'inspiration, un lieu de création. Je me suis dit, ici, c'est un endroit idéal de pouvoir me donner l'occasion et le moment
de méditer, de réfléchir, même si je ne suis pas avec les autres, même si je suis seul, le moment de penser, de voir, de planifier et aussi de méditer et d'être moi-même, d'avoir un temps pour moi. Donc c'est pourquoi je me suis dit, cet endroit est meilleur, cet endroit est bon et aussi, je l'aime bien, c'est comme une œuvre d'art. So our next adventure led us to La Palisse Hotel. La Palisse Hotel is located a half an hour from central Kigali, yet set in a quiet, leafy district. La Palisse Hotel offers to the guests the best of both worlds. You can enjoy the serene setting while also being conveniently located not far from business centers and shops just few minutes away. Whether you're visiting Rwanda for adventure, culture tourism, or business, you'll be well positioned at La Palisse Hotel. Designed with chic modern fare, this four-star hotel in Kigali is fully stocked with luxurious amenities and convenient hotel services to enjoy. Guests have variety of rooms to select from and different suites available at La Palisse Hotel. These are notable not only for their size but also for their balcony panoramic views of the gardens and mountainside. La Palisse Hotel also has a fully equipped gym, a basketball court, swimming pool, squash court, as well as kids' playground. It also offers extensive conference and freshly prepared meal is never far away with a range of dining options, including buffet, breakfast, and room service. I am a sucker of nature, and being on the road that leads to Rwamagana and Kayonza, the team and I decided to go to Jambu Beach. On our way there, we captured interesting views from hills, nature, to agriculture activities. Reaching Rwamagana, on the road we noticed the parish church. Parish church was established in 1919 by Monsignor Hertz. It acts as a tourist attraction site. Visiting the town of Rwamagana, I myself was excited, because not only is it my favorite place, but also my hometown. Rwamagana is a district in the Eastern Province. The name Rwamagana was meant to imply a place of abundance. We passed by Kayonza District. It is centered on the roundabout where the road east from Kigali splits into the road running north to the Ugandan border and south to Tanzania. Reaching the destination, I couldn't help myself. I had to go and take selfies. Jambu Beach is located in Kayonza at the Kajitumba Road in the Eastern Province. It's a relaxing location to enjoy incredible scenery in a spot largely undiscovered by the outside world. Jambu Beach does offer the best of Lake Muhazi. Guests often take ride in the special long boats driven by local guard who grew up in the surrounding shores. Those visiting can enjoy the natural beauty of the lake and surroundings. Birders will enjoy the colorful inhabitants that take flight across the expanse of the lake. Cranes walk side by side with guests with brightly feathered irregular visits. Several weddings, campings and picnics usually take place here at Jambu Beach, especially during summer. My favorite part of being here is the sound of water, the silence that one doesn't always get to experience in Kigali City. At the end of the venture, the team and I went to a place called Musha to enjoy the sunset and meditate before taking the road back home. After a 1 hour drive, finally at the head office of
Azizi Life, and we're gonna go and find out more about what they do, how they came about, and why they started this at first. Yeah. Excellent or precious. Azizi started in 2008, and we started by choosing groups that we'll be working with, and those groups were producing handcrafts. They have been formed before, but when we met with them, they had some knowledge about creating those crafts, and what we did is just to give them more knowledge so that they can improve their quality to meet an international market. Azizi Life works in different districts in Rwanda. We have some associations or cooperative in Eastern Province, Southern Province. We are working with more than 25 groups composed by men and women. Apart from working on crafts, we also have Azizi Life experiences that offer tourists that come to Rwanda different tours, but mostly based on culture. And we also have a new group that makes honey and candles out of beeswax. The benefit is that we have what we can work on. We offer to international market craft that they want, that they can use in their homes. And we also offer tourists that comes to Rwanda an opportunity to experience how Rwanda lives, and they can take home something else to tell to their families and friends. So somehow that benefit us to be able to to offer to other people something that is tangible that they can talk about to their families and to their countries. We chose to work with locals because, as I told you, those people were trained before, but they didn't have a market for their product. So they were living in rulers, have some knowledge, they can make something, but they didn't know how to sell their product. So we chose them so that they can improve their lives, they can improve their community, and create jobs to other people. And those people from rurals, somehow they don't reach a market in Kigali or market in international markets. So that's why we chose to work with those rurals, so that we can help them to reach those markets. And the benefits are many. First of all, they now have an opportunity to reach international market. They can give jobs to their neighbors. As they are making craft, they don't have enough time to work in their garden or to look after all their things, so they can engage other people to work for them, and they provide money. And also in tourism aspect, they have also an opportunity to meet with foreigners so that they can exchange their culture. They somehow learn from them and also teach them about Rwandan culture. Our designs are inspired by Rwandan culture. As you will see, some of our products have a meaningful gotten from the culture, but also some of our visitors, when they come here, they look at craft and they have their own design that they want us to create. So we combine all those two aspects. It's the quality, it's number one. And the other thing is that we care about people. We want their life to be improved from what they make. So we make sure that we pay them enough money so that they can improve their life. And we are also a fair trade organization that care a lot about artisans. So that will make us different with others. Yes, our tours are open to anyone, Rwandans,
people from East Africa, Africans and the foreigners from abroad. So everyone is welcome to come and experience tours and experience how Rwandan lives, especially in the rural community. I'll say thank you so much, and I will invite everyone to come and see what women and men from Rwanda can do, and especially to come and experience how they live in their rural areas. Thank you.